You've basically signed up for a life of her on a pedestal and you working overtime to please her. And sisters, unfortunately, hate it when I talk about this, right? Because this is the model we've been presented by society. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars que vous avez bien de perdre, n'hésite pas à t'abonner, tu connais. Même petit j'aime, hein, d'ailleurs, on est obligé de chialer pour avoir des j'aime. Maintenant les gars, vous savez très bien que les chaînes comme ça, qui donnent des conseils aux hommes, qui veulent que les hommes deviennent, redeviennent des hommes, tu sais qu'ils aiment pas ça. Donc naturellement, tu devrais mettre un petit j'aime, normal. Hein. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être DT à passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Hein. Et deuxième chose, c'est Zion. Tu connais Zion, c'est la communauté où on voit comment faire partie des 10%. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu ne fais pas partie des 10% à 20%. C'est la galère. Tu es au courant ou pas? Tu le sais. Okay. Donc, du coup, comment on fait pour faire partie des 10%? Il faut être bon sur les trois piliers. Être en bonne santé, en gros, avoir le six-pack, faut être à la nature féminine et être indépendant financièrement. Okay, c'est tout ce que l'on voit dans Zion. Il y a tout ce qu'il faut. Check, tu verras, c'est une offre seulement de ouf. C'est tout ce que je peux te dire. Okay, et pas d'excuses, les gars. Si jamais tu fais rien, il va rien se passer. Hein, j'ai grandi à Évry, j'ai dans le quartier des pyramides, j'ai au WP trop technique, blablabla. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage, 4 ans maintenant. Donc, si tu fais rien, il va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Autre vidéo réaction que je vais faire sur nouvelle vidéo réaction comme tu les aimes. Hein, assieds-toi, hein, prépare-toi, tu vas aimer, c'est succulent. Quand j'ai vu ce qu'elle a dit, je me suis dit voilà l'un des concepts que toutes les mères devraient enseigner à leurs fils et que tous les hommes devraient comprendre. Et c'est vrai que. Il y a une subtilité et c'est pour ça que les gars, ils comprennent pas parce que, déjà parce qu'ils connaissent pas les secrets de la nature féminine, ils connaissent pas la nature féminine. Donc je t'invite à checker Zeus. Bref, je te laisse regarder la vidéo et on en discute. If you have to convince a sister, a woman, that you are a good option, that you're her best option, right? By jumping through hoops, by proving yourself, by buying her stuff, by telling her what she wants to hear, she's not the one for you. Mm. That's what I tell my sons. Why do I say that? Because she clearly does not see you as her best option, right? She thinks you're just one of many, or maybe you're okay, but maybe another better one is coming, yeah. Right? Now, if you finally convince her to marry you, what is going to happen in that relationship? What's going to be the power dynamic in that relationship? You've basically signed up for a life of her on a pedestal and you working overtime to please her. And sisters, unfortunately, hate it when I talk about this, right? Because this is the model we've been presented by society. Yeah. A man's job is to please you. A man's job is to make sure you are happy. A man's job is to cater to you, etc. Yeah. And the reality is, certainly as far as the deen is concerned, it's actually the opposite. Mm. Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have taught us as women the importance of pleasing our husbands, of catering to our husbands, of looking after our husbands. Et donc tu vois, ça revient au concept dont il parle Richie Cooper dans son livre Unplug Alpha, qui est The Burning Desire. C'est pas parce qu'il y a une meuf qui est sûrement intéressée par toi un petit peu que ça veut dire qu'elle est réellement intéressée. Tu vois, déjà, je sais que les gars, ils ont du mal à comprendre ce concept de c'est pas parce qu'elle te parle. C'est pas parce qu'elle te donne de l'attention, c'est pas même pas parce que tu rentres en intimité avec elle que réellement elle te voit comme la meilleure option qu'elle peut avoir. Parce qu'évidemment, elle va toujours te dire des phrases « Non, mais tu sais, moi, je vais prendre mon temps » ou « Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, mais il faut que tu me fasses plus de cadeaux » ou « Je sais pas ». Et c'est pour ça que ça revient au truc de « C'est pas parce que tu as de l'argent que genre les femmes, elles vont te kiffer ». Je sais qu'il y a cette incompréhension aussi. Non, les gars, c'est pas parce que genre tu fais de l'argent et que tu as du statut social que genre la meuf, elle va te kiffer, elle va tomber amoureuse de toi. Et elle va avoir un désir ardent pour toi. Évidemment, c'est des choses qui jouent, ok, faut pas se mentir. Mais ce qu'elle va kiffer, c'est surtout toi, comment tu es, ta personnalité, est-ce que tu es un leader, est-ce que tu te comportes comme un homme, est-ce que tu comprends la nature féminine, donc tu sais comment agir, tu vois, avec elle, pour qu'elle soit toujours excitée par toi, pour qu'elle puisse te respecter, qu'elle puisse t'admirer.
Et après, je sais que peut-être il y a certaines femmes qui vont dire, ouais, c'est bon, moi je suis pas musulmane ou je suis pas. En fait, ça revient au même. Ce qu'elle dit, c'est une réalité. Ça va au-delà de la religion ou pas. Le monde a complètement. Enfin, les croyances ont complètement changé. Donc tu peux dire, ouais, ben pourquoi ça pourrait pas être les hommes qui prennent soin de leur femme, etc. Les hommes prennent soin de leur femme. Mais de faire croire que c'est l'homme qui doit toujours courir après la femme pour pouvoir tout faire pour qu'elle soit heureuse ou être comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Parce que naturellement, la femme, en fait, elle est hypergame. Donc ça veut dire qu'elle voit quelqu'un qui est au-dessus. Elle est attirée par un gars qui est au-dessus. Donc si jamais tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Donc c'est même pas question de « ah c'est pas juste », etc. À un moment donné, il faut vivre dans la réalité. Après, ça veut pas dire que tu dois traiter ta femme mal. Les gars, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ou les filles. Ça me rappelle un podcast que j'avais regardé où en fait c'était une, je crois que c'était une Colombienne, en tout cas d'un pays latin, de latine, je sais même pas comment on dit, enfin qui provenait d'un pays latin, je pense que c'était peut-être la Colombie, je pense. Et en fait elle était sur le podcast, elle disait ouais qu'en fait sa mère depuis toute petite lui a enseigné comment garder son homme en fait. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a dit j'ai rien compris parce que en fait toutes les meufs en fait elles disaient le contraire. Elle dit non c'est lui qui doit savoir comment te garder ou un truc comme ça, tu vois. Après, tu me diras, ben alors c'est quoi le problème? Pourquoi on ne pourrait pas switch? Ben déjà, pour le premier point que je t'ai dit, si jamais tu la considères comme une star, tu la considéreras comme un fan. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'occuper de ta femme, que tu ne dois pas être bienveillant, que tu ne dois pas la mettre bien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste dans la dynamique de la relation. Okay, c'est biologique. Si jamais elle ne te voit pas, elle n'est pas en admiration devant toi, il y aura un problème. Ça ne va pas fonctionner. Si jamais tu dois toujours, comme elle a dit, si jamais tu dois le courir tout le temps dans la relation, tout le temps après elle, c'est ce qui donne les meufs qui ont mal à la tête en relation, des meufs qui giflent leurs gars, qui leur parlent mal en public, qui leur parlent même en intimité, qui leur parlent mal tout le temps, qui leur manquent de respect, parce qu'elles n'ont pas de respect pour lui. Et ce n'est pas toutes les choses que tu vas faire pour elles, sortir la poubelle ou je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire, ok, qu'on s'entend. Mais ce n'est pas des tâches ménagères ou d'autres tâches qui vont faire qu'après, elle va avoir un burning desire pour toi, ça va être tout d'un coup, tout va changer, non. Si elle n'a pas de burning desire pour toi dans les premiers mois, tu peux arrêter. Et les premiers mois, je suis gentil. Normalement, c'est dès le début. Et deuxième raison pourquoi ça ne peut pas fonctionner comme ça, en tout cas, ça ne va pas bien se passer, c'est que les femmes modernes s'en rendent compte ou pas. Et Alain Soral, il en parlait. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo réaction où j'avais dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gars était déjà parti au charbon il y a des années pour montrer les vérités, même si elles sont difficiles à accepter. C'est que cette mentalité de faire croire à la femme que genre, ou que la femme croit que c'est l'homme qui doit tout faire pour pouvoir la garder, évidemment, il doit la bien, qu'on s'entend, ok? Ça, on est, les gars, on est quand même des gens intelligents ici, je pense que là-dessus, j'ai pas besoin de préciser, ok? Mais le fait de dire, ouais, c'est l'homme qui doit te garder, c'est en train de te fourvoyer en fait. Donc ça veut dire quoi? Que toi, tu fais rien du tout pour pouvoir garder ton homme? Quand tu fais ça, ça veut dire que pour toi, le gars que tu as, en fait, c'est pas vraiment, t'as pris ça parce que ça va, ça passe. Tu vois, donc voilà, tu le gardes comme ça et donc du coup, tu n'as même pas envie de faire d'efforts. Et ça, je l'ai vu hein, de mes propres yeux. Une femme qui est avec un gars, elle le traite super mal, elle ne s'occupe pas de lui, elle ne fait rien du tout. Je fais un sandwich, il y a Uber Eats, tu vois. Elle a fini avec ce gars-là, elle s'est mise avec un autre gars, c'était une autre meuf. C'était une autre meuf complètement différente. Il n'y avait même pas besoin de débat, est-ce que je dois m'occuper de mon gars? Est-ce que c'est lui qui doit plus faire les choses pour moi? Il n'y avait même plus de débat comme ça. Le truc, il s'est fait naturellement. Ça m'a choqué. Je l'ai vue à l'arrivée. Elle dit, bébé, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? J'ai dit, mais c'est la même personne ou quoi? Il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de truc. C'est pour ça que les gars, si jamais tu es la meilleure option à ses yeux pour elle, naturellement, elle va devenir féminine. Naturellement. Et bon, et pour revenir à mon deuxième point qui fait que ce n'est pas une bonne idée que les femmes pensent comme ça, c'est que en fait, le mariage, ou en tout cas les relations long terme, elles bénéficient la femme en fait, et pas l'homme. Est-ce que tu peux me citer un avantage pour un homme d'être marié? À part le fait d'avoir des enfants, mais quel est l'avantage en fait? L'avantage en fait, il est pour la femme. Parce qu'à partir de 30 ans, elle n'est plus à son pic. Donc à partir de 30 ans, ça va être compliqué pour elle de retrouver un homme. Ça ne veut pas dire que c'est impossible les filles, qu'on s'entende. C'est juste que plus les années passent, plus ta valeur sur le marché du célibat descend. On le sait, ça s'appelle pas... Si le magasin s'appelle Forever 21, c'est pas pour rien. Okay. Et les hommes, c'est le contraire. Quand ils ont 18 ans, leur valeur, de toute façon, vous ne les voyez même pas, les filles, les gars de 18 ans. Mais en tout cas, pour les hommes, c'est le contraire. Ça veut dire qu'au début, c'est éclaté. Et puis, quand ça arrive à 30, 35, là, tu commences à être à ton pic en tant qu'homme. Donc, on est différent. Donc, dans cette situation-là, tu vois bien que le mariage est quand même, comment dire, pour protéger la femme, en fait, pour qu'elle puisse être avec un homme et qu'elle puisse être soutenue, protégée, tout ce que tu veux.
Mais aujourd'hui, les femmes, elles se disent, ah ben non, moi je me barre à 30 ans, etc. Puis après, elles se retrouvent toutes seules. Elles se retrouvent sur le marché du célibat ou elles sont en concurrence pour le même homme qu'elles voudraient avoir avec des femmes de 20 ans. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, ce raisonnement de c'est à l'homme de tout faire pour moi, pour me rendre heureuse, etc., etc. Non. Dans le planning des temps, ça a toujours été le contraire. Tu veux le changer, voilà, appelle-moi misogyne, appelle-moi sexiste, appelle-moi tout ce que tu veux. C'est juste un constat. Après, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas faire son taf. Mais dans la dynamique, si jamais tu es féminine, tu as envie de servir ton homme, en fait. Je comprends pas, je vois pas trop le problème, en fait. En fait, il n'y a même pas de débat. Normalement, si jamais tu es féminine, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et si tu es un homme masculin, alpha, là, tu aimes bien utiliser ce mot-là, eh ben, ça se fera naturellement. J'ai jamais été avec une femme que genre, elle n'est pas féminine avec moi. Tu peux pas être plus bonhomme que moi, ça va être compliqué, en tout cas. Et de toute façon, sinon, je vais pas dealer avec toi, j'ai pas le temps, tu vois. Moi, je deal qu'avec des femmes qui sont des femmes. Donc, c'est encore une des raisons de pourquoi tu dois rester célibataire et travailler sur toi. Comme ça, tu prends que les femmes qui ont un désir ardent pour toi. Pas une femme qui pense que t'es, ça va, mais t'attends de voir si jamais, elle attend de voir si jamais l'autre, si Gérard il va accepter ou pas, ou si Gérard finalement il se décide à s'engager avec elle, et puis au dernier moment elle te bouge, et c'est comme ça que tu entends des situations de attends, j'ai besoin d'un break. Non, quand elle te dit j'ai besoin d'un break, c'est parce qu'elle veut voir si jamais elle peut récupérer Charles ou pas. Et après, une fois que genre elle voit que Charles il n'est pas intéressé par elle, elle va revenir avec toi. Donc, tu veux être le second choix, il n'y a rien de pire que d'être le second choix, si des fois c'est pas le troisième ou le quatrième. Donc non, c'est pas parce que genre une femme elle est attirée par toi que genre pour elle t'es sa meilleure option. C'est pas pour ça. Même si elle va jusqu'à l'intimité, même si vous êtes ensemble, et même si tu fais l'erreur ouf de réussir à la convaincre de se marier avec toi parce qu'elle est en galère, elle a déjà peut-être 28 ans, 29 ans, elle a toujours pas d'enfant, elle se dit bon vas-y, je prends lui, ça fera l'affaire. Fais jamais ce choix-là, il n'y a rien de pire pour pouvoir avoir une vie misérable. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Même petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, si jamais tu veux aller plus loin, tu as ton description, tu as Zeus voilà, en description. Tu as Funnel Tinder aussi pour avoir des dettes en illimité. Et évidemment, Zion, je t'encourage fortement à rejoindre Zion pour le prix que c'est, les gars. C'est grave. Franchement, c'est cadeau, les gars, pour tout ce que tu auras accès. Donc voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp. We'll be right back.